Salam l'équipe, salam la team des Edge, j'espère que vous allez bien. Petite intro rapide, donc ça va être une vidéo sur la conférence de presse de Jamel Belmadi qui a eu lieu après le match Algérie 1, Angola 1, donc un match nul. C'est pas un débrief, c'est la vidéo complète de la conférence. Comme d'habitude, je vous prends la vidéo, j'améliore le son, je vous enlève les bruits parasites, j'améliore la qualité de voix, etc. pour que vous regardez la conférence dans les meilleures conditions possibles avec la meilleure qualité de son disponible sur YouTube. Donc voilà, je prends le temps pour vous, je pourrais faire un débrief à chaud directement et vous envoyer ça ferait plus de vues, plus de likes, etc. Mais bon, on s'en fout. L'important, c'est que vous savouriez chaque moment important les uns après les autres. Donc là, la conférence de presse Jamel Belmadi, important à écouter. Pourquoi? Parce qu'il analyse ce match nul, il donne un peu son ressenti, on voit aussi son moral, etc. Et donc voilà, bonne écoute à vous. On reviendra demain pour une analyse du match Algérie-Angola. J'ai pas envie, comme j'ai dit, de réagir à chaud parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont énervé. Mais en tout cas, demain, on sera là pour débriefer ce match-là. Avec certaines parties, certains points très importants pour la suite. Quoi qu'il en soit, on est déçu du nul, c'est clair, mais ce n'est pas la fin. Tahia à l'Algérie, victoire ou défaite, on continue à soutenir l'équipe nationale. Bonne écoute à vous, n'hésitez pas à liker au maximum, à vous abonner, à partager. On avait dit qu'elle encaissait peu de buts, ils nous ont donné ça ce soir. On estime, mais bon, c'est notre avis que c'est pas mérité au regard des... Au regard de la possession, des situations où on s'est retrouvé nombreuses fois dans leur surface de réparation. Et voilà, sur un fait de jeu, encaisser un but, ça a du mal à avaler ça. Thank you very much, coach. If you can get closer to the microphone, thank you. Question number one, gentleman here, please. Aujourd'hui, on a vu deux visages. Coach, aujourd'hui, on a vu deux visages. Une équipe qui a dominé sa première mi-temps, on a vu du mouvement, on a vu une équipe qui a appliqué son plan de jeu rigoureuse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur la première mi-temps, 68% de possession de balle, 9 corners, 2 tirs cadrés. Les Angolais n'ont pas existé. Mais en seconde mi-temps, il y a eu comme une baisse de régime. Comment est-ce que vous l'expliquez? On a laissé le jeu... D'ailleurs, l'erreur ou le fait de jeu est venu dans un temps fort angolais, hein, sur le camp algérien. Comment est-ce que vous expliquez ces deux visages de l'équipe d'Algérie? De dire, je ne pense pas que ce soit... On va revoir le match, mais je ne pense pas que cette deuxième mi-temps... bien sûr qu'elle n'est pas à l'image de cette première mi-temps, où on aurait dû faire le break. On aurait dû, on se l'est dit à la mi-temps, on va être encore plus tueur dans cette surface de réparation. Sur le dernier geste, sur l'occupation de cette surface, ce qui laissait la possibilité de ne pas avoir fait le break dans cette deuxième mi-temps à cette équipe d'Angolaise d'espérer. Ensuite, moi je suis plus d'accord sur l'idée du moment fort ou de notre moment faible à nous qui n'a pas duré un long moment, mais suffisamment pour aller nous faire mal, qui est sur une situation où voilà, c'est même pas une occasion de... Il se retrouve certes dans notre surface de réparation, il n'est pas interdit de se retrouver dans notre surface de réparation, même si on préférait l'éviter, la preuve est. Mais c'est même pas une situation où le gars est en position de marquer, je sais pas. Dans ce moment faible, je parlais de ça avec les joueurs à l'instant, ils ont réussi à se procurer ce penalty. C'est là où c'est douloureux et c'est là où c'est cruel. C'est vrai que cette deuxième mi-temps, elle n'est pas à l'image de cette première mi-temps, mais dans l'ensemble, il faudra revoir un peu tout ça. On a, à part certaines situations de transition, c'est normal. Tu as le contrôle du jeu, tu essaies de travailler cette équipe-là. Ils sont en place, ils sont truc, donc ils récupèrent le ballon. Bien sûr, ils ont des transitions. Mais sans avoir été en danger, moi j'explique ce résultat par justement ça, sur notre moment faible, et ça arrive à toutes les équipes. On s'est fait punir sur ce fait de jeu, et c'est ça qui est hyper hyper rageant, parce qu'on peut passer ce temps faible, repartir, ne pas encaisser de but sur ce temps faible, repartir, et puis peut-être le résultat aurait été en notre faveur, un deuxième but et puis peut-être un troisième but, parce que voilà, il y avait un zéro, ils avaient fait un changement tactique, ils avaient enlevé un milieu de terrain pour mettre un attaquant, donc ils avaient d'autres ambitions sur cette deuxième mi-temps, et puis là on avait le score idéal normalement pour breaker.
Pour ça, il aurait fallu ne pas, dans ce temps faible qui existe, eh ben, il aurait fallu ne pas encaisser de but. Yes. Salam alaikum, monsieur le sélectionneur. On a vu un Bardad Bounjah très actif aujourd'hui, avec et sans ballon, comme à son habitude. Il a essuyé beaucoup de critiques ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa rencontre et jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu? Et la deuxième question, ça serait sur l'aspect psychologique de cette première rencontre. Mmh. Vous avez parlé de l'importance de cette rencontre lors de la conférence de presse d'avant-match, mais également, là vous venez de dire, on vient de vous entendre, que ce n'était pas à juste titre le résultat espéré. Ouais. Comment gérer la deuxième rencontre, déjà sur la manière psychologique, et aussi pour éviter ce qu'on a vu par exemple à la Coupe d'Afrique 2021 avec de la précipitation, peut-être une mauvaise gestion psychologique de la rencontre. Merci. Je ne sais pas s'il y avait de la précipitation aujourd'hui. Il y avait, je pense qu'en termes de faux techniques, il y en a eu. C'est normal. Dans un match, on ne peut pas avoir 100% de passes réussies, par exemple. Il y a toujours des faux techniques, même si on voudrait à chaque fois, en exigeant, on voudrait qu'on en fasse le moins possible. Ensuite, bien sûr, ça c'est pas un secret polichinelle de démarrer dans cette compétition avec l'idée de gagner, c'est se mettre dans les meilleures conditions. C'est pas le cas. Les forces mentales, psychologiques d'un groupe doivent être là pour réagir. Et en plus contre une grosse équipe qui est du Burkina Faso. Donc on est là dans ce tournoi-là. Si on n'a pas cette force psychologique, on n'a rien à faire dans ce tournoi-là. Donc moi, je fais confiance en ce groupe-là. On n'est pas content de ce résultat-là. On est tous fâchés. On sent que c'est pas le résultat mérité dans la production du match dans son ensemble. Mais telle est la situation. Donc on va évidemment relever la tête, travailler, se préparer pour ce deuxième match. Bardad a fait ce qu'on attend de lui. Il a beaucoup bougé dans cette défense à 3. Il les a mis sous pression. Il a été efficace dans la situation de but qu'il a eu. Il a mis ça au fond. Il a un but magnifique qui a été refusé, sûrement à juste titre. D'ailleurs, ça veut dire qu'il est dans une bonne dynamique. Maintenant, il a beaucoup couru aussi. Il y a des signes qui montrait peut-être qu'il était un peu moins frais physiquement. Il fait toujours un petit peu chaud, donc il y a un joueur comme Islam qui n'a pas joué depuis un moment, mais qui a bien travaillé durant ces 3 semaines-là, qui a marqué des buts sur les dernières sorties avec l'équipe nationale, et donc qui avait normalement aussi sa partition à donner. Bardad, on connaît. Moi, je fais confiance. Je laisse les autres juger, parler, mais bon, moi je fais confiance aux joueurs. Thank you very much. Can we go, gentlemen, at the far microphone, please? Bonjour, coach. Moi, je veux poser une question sur Belaïli. C'est la même question que sur Bounjah. Donc, le retour de Belaïli après plusieurs mois, son premier match officiel. Donc, comment jugez-vous l'impact de Belaïli sur le jeu de l'ODFR? Merci. Je trouve que sur cette première mi-temps, il a été très intéressant. On a encore vu leurs relations. On cherche des relations de toute manière. Tous les entraîneurs cherchent ça. Créer des automatismes, créer entre les joueurs. Je trouve qu'il a été productif. Donc, il a cette passe décisive pour Bardad. Il a été efficace. Il a animé son couloir gauche, que ce soit avec Ryan, avec Ismail, sur des choses intéressantes. Justement, c'est ça qui est un peu rageant. J'aurais aimé que ça aboutisse sur un but de plus, parce qu'ils se sont retrouvés plusieurs fois, ils étaient devant moi, plusieurs fois dans cette surface de réparation. Et voilà, il y avait une histoire de dernier geste, de dernière passe, de dernier truc. Je trouve que il a été intéressant sur cette première mi-temps, très intéressant. Après, sur la deuxième mi-temps, comme Bardad ou comme peut-être certains joueurs, il a accusé un petit peu le coup. Il a beaucoup travaillé pour revenir à un certain niveau international, beaucoup travaillé ces trois dernières semaines. Aujourd'hui, sur l'ensemble, c'est bien ce qu'il a fait.
même si on peut encore attendre plus de Youssef, il en est capable. Yes. Microphone to him, please. السلام عليكم. السلام. أنا الشيخ سيد أحمد من موريتانيا. زي ما بالماضي من تتويش في 2019 إلى خروج من مجموعات في 2021 إلى بداية تعثر في هذه البطولة رغم أن مصيرك ما زال بيد أقدام اللاعبين. ماذا ينقص الجزائر بالضبط من أجل العودة إلى منصة التتويج في هذه البطولة؟ هل هي غياب الرغبة لدى اللاعبين؟ هل هو الحظ؟ هل هو حرارة الجو هنا في بواكي؟ ماذا ينقص الجزائر بالضبط للتقدم على النتائج السلبية؟ Je vais répondre en français pour être. J'ai compris la question, mais je vais répondre en français pour que ce soit plus fluide. Surtout après les matchs, j'ai pas toute ma lucidité. Il m'a demandé qu'est-ce qui manquait par rapport à 2019, c'est ça? Qu'est-ce qui manquait pour cette équipe? Ce qui est passé, c'était cette Coupe d'Afrique 2019, même s'il y a des joueurs de cette équipe-là qui sont encore là. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés pour écrire leur histoire, réécrire l'histoire. Ils ont des choses à donner. Et donc, je ne pense pas que ce soit utile de toujours... bien sûr qu'on peut prendre en référence certaines choses. Je le fais avec les joueurs aussi, sur certains aspects, pour s'en servir. C'est une bonne expérience. Mais pas pour reparler de ce résultat-là. On l'a fait, ça c'est fait. Maintenant, on veut voir ce qu'il reste à faire. Donc il y a d'autres joueurs qui arrivent, il y a une compétition, d'autres équipes qui sont là, d'autres équipes qui sont aussi fortes, et c'est pas juste avec la volonté de vouloir gagner qu'on va nous servir ça sur un plateau. Il y a beaucoup d'éléments, il y a un travail à faire avec ce nouveau joueur là. On a montré qu'on était capable, disons, une phase de qualification, par exemple, où on a fait quasiment maximum de points sur des matchs de préparation, des matchs amicaux. Mais voilà, quand on arrive dans la phase finale, il faut passer encore un cap. Il faut encore élever encore son niveau et voilà, faire basculer les choses de notre côté. Et ça, c'est pas le travail. C'est vrai qu'on a encore un peu le traumatisme de cette CAN 2021 où, qui a été le début de sur deux mois, nous avons tout perdu, notre titre de champion d'Afrique, on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde, sur deux mois, et ce traumatisme, il est lourd à porter, mais voilà, je trouve que les joueurs ont répondu présent, parce que tout de suite après ça, dès le mois de juin, quand ce qu'a suivi ce résultat contre le Cameroun, on s'est remis à gagner à l'extérieur, on s'est qualifié haut la main, on a intégré des jeunes, il y a des choses qui se font avec le temps. Ça se fait pas tout de suite. Maintenant, on doit vivre avec ce passé-là. Les bons moments de cette période de 2019 qui doivent nous aider, parce qu'on connaît les ingrédients de la victoire. Maintenant, il s'agit de les mettre en pratique. Et il y a aussi une adversité en face. Donc, on va faire le maximum. On fait le maximum. C'est la dure loi du sport de haut niveau, du niveau international. On a des matchs contre des équipes qui jouent d'une certaine manière avec nous. C'est la rançon de la gloire. La plupart des organisations de l'Angola, on n'a pas été surpris parce qu'ils ont déjà joué deux fois, mais sur une quinzaine ou 17 matchs, c'est la deuxième fois qu'ils jouent avec une défense à 3, presque une défense à 5, on peut dire. Et voilà, ça c'est la rançon de la gloire. Maintenant, à nous de créer une dynamique et de quelque part de se rassurer et de prendre de la confiance. Chose aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait parce que c'est les points qui parlent. Mais voilà, il reste encore deux matchs dans ce groupe-là et il faut relever la tête et se remettre au travail. Last question. A gentleman here in white, please. Coach, vous avez parlé des relations, notamment on a vu la relation Ondjabeleli qu'on connaît, qu'on a retrouvée. Il y avait aussi Aït Nouri qui combinait pas mal. Et peut-être qu'au milieu, on trouve un peu plus de difficultés dans le cœur du jeu. Est-ce que c'est justement par rapport à l'équipe angolaise qui a fermé ou est-ce que, parce que justement ce sont des joueurs qui forcément n'ont pas beaucoup joué encore ensemble
Taleb Nasser Chaibi, est-ce que c'est ça qui reste encore à travailler ou c'est plutôt l'adversaire? Peut-être un peu des deux, sûrement un peu des deux. Bien sûr que l'adversaire a été a laissé certaines fois un peu d'espace. Nabil, notamment cette première mi-temps, il y avait toujours un joueur autour de lui qui l'empêchait d'un peu de... Quand on joue comme ça avec une pointe basse, c'est souvent pour alimenter, pour organiser un peu le jeu. On a trouvé d'autres situations, puisque Ismaël a bien profité de ce couloir gauche où il a bien travaillé avec Ryan et Youssef. Il y a eu pas mal de situations. C'est vrai que Fares a été moins en vue. Il a peut-être été... Il aurait peut-être pu, dans son positionnement, être un peu plus, des fois un peu plus bas quand on était dans leur camp, et venir un petit peu sortir de être ce que je dis souvent, se mettre dans des poches, mais des fois sortir un petit peu et qu'on aurait pu le trouver en amenant le ballon côté gauche, la densité s'y retrouve, on sort avec Nabil et puis le trouver à ce moment-là, je pense que ça aurait été intéressant, on l'a trouvé trop peu là-dessus. Voilà, et des fois c'est des positionnements d'un mètre, deux mètres, trois mètres qu'il faut savoir. Tu bouges au bon moment, tu reçois le bon ballon, ça crée une situation offensive. On n'a peut-être pas trouvé, ça nous a manqué ça. Après, je sais pas si c'est parce qu'on manque d'expérience entre nous, manque d'automatisme entre nous. C'est vrai qu'ils ont quasiment jamais joué ensemble, puisque Ismaël était là, pas joué depuis 8 mois. Avant ça, Nabil n'était pas en sélection. Fares est nouveau, donc sûrement qu'il doit sûrement manquer un lien entre les trois. Mais bon, on travaille pour ça, et ils ont la qualité pour pouvoir être un très très bon milieu de terrain, complémentaire. C'est peut-être le temps qui nous manque, mais voilà, on va pas se torturer le cerveau, il faut avancer, il faut changer la donne. Déjà un gros match qui arrive contre le Burkina Faso, il va falloir qu'on soit présent, qu'on soit bon. Thank you very much, coach.